Bonjour amis photographes, bienvenue sur ma chaîne La Pose Benoît. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction masque dans le logiciel Affinity Photo. Alors, je vous dis bon visionnement. Bienvenue dans l'interface Développe Persona du logiciel Affinity Photo. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser deux photographies que nous allons assembler pour faire une photo composite. Nous allons commencer par ajuster cette photo qui va nous servir de fond. Alors, on va commencer par l'ajustement dans l'onglet Détails, Affinage des détails. On va ajuster le rayon et la quantité. Puis, on va aller ici dans Objectif, supprimer le vignettage et réduction d'aberration chromatique. Nous poursuivons avec l'onglet Basique. Nous allons mettre la clarté ici à peu près entre 5 et 10. On va régler le profil. On choisit Adobe RGB 1998. On va régler la saturation à peu près 21% et même chose pour la vibrance. On va maintenant baisser la luminosité, peut-être entre 1 et 3%, à moins 1%, ça me semble parfait. Bon, on va considérer que nos réglages sont terminés. Alors, on va cliquer ici sur Développement. On va maintenant venir faire quelques retouches pour éliminer les saletés qu'on peut percevoir dans la neige ici. Très bien. On va maintenant faire nos réglages sur la deuxième photo ici. Comme tantôt, on va débuter avec l'onglet Détails, Affinage des détails, Quantité et Rayon. Par la suite, on retourne dans l'onglet Objectif, Supprimer le vignettage et Réduction d'aberration chromatique. Nous retournons dans l'onglet Basique, sélectionner Profil de sortie. Adobe RGB 1998, encore une fois. On va régler la clarté comme tantôt à 10%. On ajuste la saturation et la vibrance. Et on va régler la luminosité. Et voilà, nos ajustements sont faits dans le module Développe Persona. On va maintenant développer la photo en cliquant sur Développement. Maintenant que nos deux photos sont dans le logiciel Affinity Photo, nous retournons sur la première photo en cliquant sur l'onglet ici. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans le menu Édition, et nous allons choisir Copier. Par la suite, nous retournons sur la deuxième photo, puis nous retournons dans Édition. Et nous choisissons Coller. Et voilà, on a notre deuxième photo qui apparaît ici sous la couche supérieure de notre arrière-plan. On peut peut-être le renommer ici Fond de neige. Pour la première photo, on va identifier Tintin par exemple. Donc on vient sélectionner notre couche ici Fond de neige. Puis on vient ici au bas, cliquez sur « Masque de calque ». Apparaît notre couche de masque. On peut lui donner un nom. On va marquer « Voiture Tintin ». Voilà. On la sélectionne. Là, ce qui est important, c'est de retourner ici, parce qu'on va utiliser l'outil pinceau.
qu'on a cliqué ici, évidemment, là, dans la barre des menus, outils pinceau, dans la barre des menus, complètement à gauche. Ici, dans l'onglet pinceau, on va choisir pinceau rond dans la rubrique basique. Ici, c'est important de mettre l'opacité à 100%, le flux à 100%. Peut-être la dureté, on peut mettre ça à 80%, oui. Là, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va révéler, en peignant sur la photographie fond de neige, ça va révéler la voiture. Évidemment, on va être obligé de faire un peu de travail de précision pour éliminer tout ce qui n'est pas important dans notre photographie. Alors, on va commencer par peindre grossièrement pour faire apparaître notre voiture. Voilà qui est fait. Pour pouvoir éliminer tout ce qui est excédentaire, si on veut, qu'on veut que la photo soit vraiment bien propre, on n'aura pas le choix de venir zoomer dans notre photo. Alors, on va venir dans la barre de menu ici, choisir « Outil zoom » et on va cliquer jusqu'à temps que la grosseur nous convienne pour venir éliminer le surplus. Maintenant, pour venir, effacer l'excédent, on est toujours sur notre outil pinceau. Par contre, on vient dans l'onglet échantillon et on vient choisir la couleur blanche pour venir ajuster ici où on voit là, l'effet que ça apporte. Ça vient effacer ce qu'on a révélé. Bon, donc on va effacer ce qui est révélé en trop, en fait. Encore, on va ajuster la grosseur de notre pinceau. Et on va commencer à faire la retouche. Là, évidemment que cette retouche prend un certain temps parce qu'il faut être assez minutieux pour être le plus précis possible. Évidemment, là, je ne suis pas précis à 100%, mais quand même, le résultat est là quand même. Alors, maintenant, on va peut-être revenir à une échelle un petit peu plus petite, la photo. On va peut-être regarder, encore peut-être des petites retouches à faire au niveau des saletés qu'il y a dans la neige. Je vais résumer, mais je vais sélectionner ici le calque Tintin pour faire directement la retouche sur le fond de la photo. Ou non, disons, plutôt ça va être sur le fond de neige, plutôt, excusez-moi. Ici, bien sélectionné. OK, on va reprendre l'outil
pinceau de retouche. OK, mais avant, là, on va rezoomer dans la photo. On a des petits points de saleté, là. OK, on va faire un petit peu de retouche. OK, voilà qui est fait pour l'outil de retouche. OK, on va maintenant peut-être à ce stade-ci du développement, on va peut-être faire un recadrage de notre photo. On va venir sélectionner la couche Tintin ici. Puis on va venir choisir l'outil recadrage. Moi, je vois bien avec cette photo peut-être un format en 16:9. OK, on va peut-être mettre la voiture sur une ligne de tiers comme ça ici. OK, on va faire appliquer. OK, bon, ça me convient. On va revenir sélectionner notre couche supérieure ici. Voilà. Puis, on va venir dans les calques. Nouveau calque de réglage. Et on va sélectionner balance des blancs. Je vais prendre pour commencer le sélecteur de couleurs. Puis je vais venir cliquer ici dans la neige. OK. Ça m'apparaît augmenté de 2%. Je vais aussi venir appliquer un autre calque de réglage. On va choisir le réglage niveau. On va ajuster un petit peu les noirs, comme ça ici, puis un petit peu les blancs. Voilà. OK, ça c'est bien. Puis un dernier réglage peut-être au niveau de la vibrance. Mettons à 20%, ça m'apparaît bien. OK. Bon, je pourrais arrêter ici. Par contre, si on regarde la voiture qui est dans la neige, j'aimerais peut-être donner un effet au niveau des roues pour donner l'impression que les roues sont un petit peu, on va dire, enlisées dans la neige. Alors, on va utiliser notre outil ici, pinceau de clonage, qu'on avait vu dans un tutoriel antérieur comment l'utiliser. Alors ici, on va encore une fois s'en servir. Tout d'abord, je vais venir sélectionner ici le calque fond de neige ici. Voilà. Et dans le menu déroulable ici en haut, je viens choisir, normalement par défaut il est à calque actif, là, mais je vais choisir calque actif sous-jacent. Et puis, on s'assure que outil pinceau clonage est bien sélectionné. Et on va choisir une partie de neige ici pour faire l'effet. On clique ici, voilà. Par la suite, attendez, c'est vrai, j'ai oublié une étape. Il faut créer un calque pixelisé. Alors, on va venir cliquer, évidemment, on laisse la sélection fond de neige ici, puis ils vont venir se placer juste au-dessus. Alors, on s'assure que le calque fond de neige est encore sélectionné et il va venir se placer juste au-dessus de ce calque-là. Alors, on clique sur calque pixelisé, voilà. Et à partir de là, bien évidemment, on va pouvoir venir placer notre sélection ici, comme ça, devant le pneu, comme ça. Disons que je l'ai peut-être mal placé, on va recommencer. Là maintenant, on va venir ajuster tout ça. On vient sélectionner encore une fois outil de pinceau effacé. Très bien. On va continuer à faire une sélection l'autre roue, si on veut. Voilà l'effet. Ça nous donne l'impression que, finalement, les roues sont un peu plus enlisées dans la neige. Ça donne un effet un peu sympa.
Et puis pour terminer, ben, étant donné que c'est Tintin, ben, on va ajouter un petit quelque chose pour la touche finale, si on veut. Et voilà ce qui complète ce tutoriel sur la fonction masque dans le logiciel Affinity Photo. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment utiliser l'outil pinceau de sélection du logiciel Affinity Photo. Alors, je vous dis à la prochaine fois et merci!